Pipi, ouais, va peut-être falloir que je mette l'image en grand écran, je pense. Ouais, c'est mieux comme ça. Attendez, parce que malheureusement, la première fois, c'est toujours les réglages. Oh, ça m'a l'air d'être bon. Ok, repart en grand écran, vraiment. Plein écran plutôt. Sous-titres, oui. Langue des textes, langue des voix, oui. Sortie audio, téléviseur. Mais je suis sur PC. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Type A. Non, type Xbox, parce que, ouais, voilà, désolé. Sinon, je saurais pas. TV, basse renforcée. Je pense que je vais laisser téléviseur. Hein. Casque. Alors, je joue avec un casque. Mais j'ai gauche, je sais pas, c'est quoi le must pour vous? Est-ce que je mets téléviseur par rapport à vous ou casque par rapport à moi? C'est une question auquel je n'ai pas de réponse. Home cinéma. On va rester sur téléviseur, écoutez, au moins je sais que c'est une valeur sûre. Je pense que ça va être ça qu'on va faire. Est-ce que le motif sera à peine visible? Il y a un motif? Ouais, ok, à peine visible. On va faire ça, je veux pas me griller les yeux, je veux pas griller vos yeux. Ouais, c'est ça, voilà. Déplacer le curseur jusqu'à ce que l'image du centre soit à peine visible. Ah, oh mais là je vais voir que dalle, mon ref. Là je vois tout. Il est censé comprendre que c'est une machine. Parce que là, ouais, genre. On va faire ça, ouais, voilà. Non, on va pas trop se griller les yeux. Là, c'est peut-être trop. Ah non, comme ça, on va faire. Toute façon, je peux pas agrandir. Ouais, blablabla. D'accord. Let's go. On va regarder vite fait. En HDR, j'ai jamais su si je dois vous le foutre. Arourou kaboum! Arourou boum boum! Ah, ça poucave tout mon PC. Ça sera. Je pense qu'on va y aller. Hein. Sarah, t'es prête? 3, 2, 1, Agourou Kaboum. Le standard. Ah si, j'y ai joué. J'y ai joué, moi, au premier Resident Evil. Ah ouais, on récupère automatiquement. Ah, j'hésite. J'hésite entre standard et hardcore, comme toujours, parce que ça, là, j'y ai joué. Alors en général, j'aurais plutôt mis standard. Mais là, ils disent pour les. Genre, les ennemis sont plus forts et les défis plus difficiles. Certains objets coûtent plus cher. Allez, vas-y, c'est quoi, hardcore, fuck. Fuck this shit. Je viens de me foutre dans la merde. Sachant que, fou! Faut que je me réhabitue au touche et tout ce tralala. Perso, t'as galéré en standard. Oh mon dieu! Ah, tu viens de me tuer. C'est pour ça qu'il faut pas aller en vacances en Espagne, Sora. Septembre 1998. Très bonne réponse, ça. Une Tu sais date que. qui réveille à jamais. Je t'explique après. Le flic en moi est mort ce jour-là. C'était ton premier jour de flic. Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret.
Joe Biden? C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. La petite musique qui casse tout. Sora, non, la même. Les villages perdus, j'évite. Les villages perdus, c'est une dinguerie en vrai, Sora. Imagine demain. T'es dans un petit village perdu. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Depuis quand les Espagnols disent Yankee pour parler des Américains? Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de plus important. Mais Sora, genre, c'est... Je sais pas, tu peux tellement te faire tuer, les gens ils t'enterrent dans la forêt, c'est fini. J'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour... Je l'ai jamais vu, enfin... Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. T'as ta galère en standard, je suis dans la merde en hardcore. Un petit secret. Eh, ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher les randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. C'est pour ça, moi aussi, je me méfie des coins perdus, Sora. Sora, j'ai mis en hardcore, je vais galérer là. Je vais me battre contre l'écran titre, il va me tuer seulement. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Que frio! Te has bebido el bar entero? Petite clope. Cigarette? Non, je fume pas. Sora, j'espère que le son et l'image, ça passe. Ouais, bien sûr. Et tu vas pisser dans un endroit que tu fous les jetons. Ouais, ok, y'en a y. Allez. Et si au lieu de pisser, j'allais me promener? Il allait chier ton pote. Déjà, j'irai jamais pisser trop loin dans la forêt. Bonjour, je suis un PNJ de jeux vidéo. Je suis débile. Ça sera une citation. Hey, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, okay. Tu pars d'une aide. Pas de soucis, Gonzalez. Chapitre 1. Pas de titre. Une veste en... C'est des vestes qui tiennent chaud, ça. On dirait que je suis en Russie. On dirait que je suis dans un village dans The Witcher 3. On saura, j'imagine, que le son et l'image, ça passe. Alors, conseil. Ne passe pas ce passage. Fouille. Je sais plus du tout si ça va me faire genre appui X ou il faut que je tapote A partout. Je peux pas interagir. Oh, je vais pas tous les trouver, c'est sûr. Tu vois, à cause de toi, je suis en train de tout fouiller. Enfin, à cause, c'est un grand mot, mais. Voilà, il y a un trésor. Trésor. Mais où est-ce qu'il est passé? Je vais avoir les trésors de Kellex, des Corbac. En vrai, j'aurais... Ouais. En vrai, après ce qu'il a vécu, lui, dans Resident Evil, il est censé flipper des Corbac. Mais vas-y.
Alors là, déjà, je serais parti voir le collègue. Je serais allé voir le mec, genre, mec, il y a un problème. Ah, déjà, c'est mort. Là, déjà, là, franchement. Là, déjà là. Non, attends. Déjà là. Non, attends. Déjà là. Non, attends. Je serais jamais descendu. Je serais pas descendu de l'avion. Genre, Sora, tu vas voir Léon qui repart dans l'avion et qui aurait dit déjà là. Non mais déjà là t'avances, tu dis c'est sûr que l'autre flic qui allait pisser, il allait pisser aussi loin, tu vois. Je suis mort, l'arme elle brille comme si je pouvais la ramasser. Ça se pète pas ça? Ça va, tu m'as dit de fouiller, j'ai pris ton conseil au sérieux. Je vais aller à l'arrière. Ça file chez les gens. Bonjour, oui. Est-ce que quelqu'un est venu pisser chez vous? Sora, tu verras, je le maîtriserai jamais. Y a quelqu'un? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un fait pipi? Bonjour. Est-ce que ça pisse ici? Le mec qui est rentré normal. Tiens, tiens, tiens. Non, je veux lire le truc. C'est Acerca el juicio. Le juge. C'est Acerca, je sais pas. C'est de vider les jambes. Tirer les jambes, tu veux dire? Courir vers le zombie et bouillir. Ah, le jugement approche. Oh, j'ai rien dit. Moi, j'ai dit le jus. Oh, ça va être trop drôle. Va falloir que je fasse des traductions comme ça. C'est Arsaka et Juicio. Juicio, c'est le jugement. Je jure, pour moi, c'était genre le jus. On peut pas prendre une taille-bout. Le jus approche. Bah, tiens, le jus vient d'arriver. Salut, le jus. Hasta el fin, bientôt la fin, j'imagine. Vivemos contigo, nous vivons. Vivivemos, nous vivions contigo, nos temeremos. Nous vivions avec nos ténèbres. J'ai de la disquette. Hein. Alors il y a deux portes, on va ouvrir l'autre porte. On peut pas. Merde, fallait que j'ouvre la première. Non, j'ai peut-être raté un document. Seigneur! Please, laissez-moi fouiller. Bonne journée, non? Ah ouais, Léon, il est normal. Eh, je serais tellement parti. Parlons en espagnol, non? Hello, soy un turisto. Not un turista. Est-ce qu'il est venu pisser chez vous? Rodrigo, est-ce que tu as vu un flic? Oh, Gonzalez! Sergio! Oh bah, je vais m'asseoir dans votre cuisine. Ouh! Mario Fernandez Castillo. Oh, wow! Est-ce que je peux aller fouiller l'autre porte? Ça, c'est le flic. Oui. C'est la merde. Non, c'est pas la merde. Police nationale. Mario Fernandez Castaño, agent de police. Léon qui s'est pas dosé. De ouf. Heureusement que c'était pas un civil, façon de parler.
clé de la cave. Tiens, ça me demande pas si je veux l'utiliser. Ouf, ah ouais, ça rigole, la discrétion, zéro. Non, ah bah c'est merde, c'était la bonne porte. On peut décaler, ouais. Comment je tape avec le flash? Ok. Il y a des cheveux dedans ou c'est moi? Ça doit être moi. Alors attends, est-ce que ça se pète ça? Non? Ok, je suis déçu. Je peux même pas péter de tonneau, non franchement. Les bonnes valeurs se perdent hein. Là, ça me dit pas si je veux garder le... Ah j'ai pas de lampe. Ah là, quand même. Là déjà je serais allé chercher l'autre flic. Ah bah non, parce que j'ai entendu le mec qui a crié, donc il faut que j'aille le sauver. Pourquoi je peux pas avancer? Ah ouais. Un héros de jeu vidéo de ouf. Non mais le mec, je sais pas, tu sais, en plus il a que 10 balles après ce qui serait passé à Raccoon City en 98. Je me ramènerais toujours avec genre 100 balles sur moi minimum. En vrai je sais pas, parce que ça doit poser un poids les munitions. Oh mon dieu, l'autre flic. J'écoute. Gonzalez, qu'est-ce qui se passe? Merde! C'est quoi ce bordel? Mon Uber s'est fait fumer. Voilà. Et les mecs qui l'ont fait fumer, ils vont revenir là. Des fois, j'ai des trucs comme ça, genre. Ouais. Ah ouais, le jeu il m'apprend à tirer et tout. Pedro! Putain, comme un schlag, j'ai mis hardcore moi. C'était quoi? C'est quoi? Un bruit de porte? Vas-y, crie plus fort, mon ref. Ça vient de derrière moi, ça. Oh non. Putain, j'y crois pas. Ah, je suis mort. Ah, mon flas, merde. Ouf. Oh, on part pour un tour. Je vais mourir, hein. J'aurais déjà... Il se bat tes balles sur lui. Ah, si j'avais su. Alors, ouais. Ah, je suis dans la merde. Use pas tes balles. J'aurais dû me battre que je fasse. Bordel de merde. Sora, il y avait le temps. J'aurais dû esquiver et courir. Et si j'avais envie de venger l'autre flic? Parce qu'il y a du monde là-haut. Ouais, je vois ça, je vois ça. Pourquoi? Personne qui est venu dans la cuisine, non? Attends, je pouvais pas m'accroupir, ouais, voilà. J'ai tellement à me faire fumer. Ou pas. Merde. Ah, mais il reste accroupi, j'ai pas besoin de maintenir le bouton. Oh, je peux monter. Monsieur, madame, je veux faire pipi. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Toilettas? Nos toilettas. Voilà, je vais chier, s'il vous plaît. Toquez pas. Una carta? Qu'est-ce qu'il fout là? Il est en train de lire la carte en mettant son watt. Capitaine. Il va ramper.
mâchoire. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau ? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Simulateur. Il me faut l'itinéraire. Discret simulateur. On a peut-être emmené là-bas. Compris. Et ouais, je crois qu'ils font un petit tour au lac. Ils sont allés pêcher. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte. Mon escorte est morte. Faut que j'y aille, je te rappelle. Enfoiré, je vais aller aux chiottes. Ah, je suis mort. Ok, je me casse. Oh. Ouais, vas-y, prends une pause cinématique. Ne commence pas à courir. Voilà, fixe-le. Quoi? Il a perdu la roue. Même pas. De ouf. Vas-y, hein. Surtout ne cours pas, mon ref. Voilà, marche. Non, j'ai rien le cours, enfoiré de merde. Ouh, y'a du sang. C'est, ils ont ramené Pedro. Coup de pied retourné, je sais même pas ce que la touche. Un corbac. T'as dit ça me rapporte de l'argent? Ah ouais. Putain, la vie elle est différente en Espagne. Pesetas. Mais putain, capitaine, perds pas tes balles sur des putains de hiboux. C'est des corbeaux, capitaine. Ah oui. Astuce, c'est lancer une grenade pour champer les corbeaux en même temps. Téma, elle veut que la SPA aussi, elle m'attrape. J'entends des voix de l'autre côté. Elle ouvre doucement, voilà, c'est bon. Oh, ça date. Kikos. Poudros. Dans la pochos. Ça a sauvegardé, ok d'accord. C'est tellement rapide que... Sur un trésor au-dessus d'un puits, ferme le puits là-bas, on passe à l'air le trésor et la vente plus cher. C'est très précis, merci. Au-dessus. Non, de los pesetas. Puta madre, c'est qui a tué mon corbo? J'ai excité tout le kékar là. Surtout capitaine, tu crois en moi? Non. Ouf, ça va. Tu auras le choix. Ne t'injecte pas le virus T. Libère le loup. Je suis dans un cauchemar. Le dormeur doit se réveiller. Libère le loup, capitaine. On n'est pas dans Game of Thrones, ça. Hein. Fasse gaffe où je mets mes petits pieds, moi. Oui, accroupi simulateur, j'ai oublié. Ouais, je l'ai fait à l'époque. Repelo, je vais t'appeler Ashley. Tu m'as vu? Oh, 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 oh. Aïe. Ouf, ouais non, je vais crever. Waouh, ça m'arrache. Excusez-moi, j'aimerais passer. Ah mais les jambes, je fisse mal. Je suis pas habitué à la manette. Après je peux chlasser mais... Y'a pas un troisième mec? Ok, on va la garder au cas où on trouve mieux. J'ai déjà fait le 4 originel et ça a été une belle découverte. Attention, le couteau se casse, ouais, c'est ça ma grande tristesse. Je passe dans les jambes, je crois que le couteau s'abîme. Donc quoi qu'il se passe, il s'abîme. Alors, j'apprends à tirer dans les jambes, je pense. Le couteau, il est très abîmé. On peut faire encore une interaction. Oh merde, bah oui, en plus j'avais dit qu'il faut que je fasse gaffe, faut que je mets les vieilles. Je suis mort. Bordel. Alors cours. Pff,
Y'a un mec derrière moi? Non. S'il me balance le chasse, je suis mort. Mince, oups. Ok. C'est quoi ça? Ok. Et bouya! Lopez pose cette hache. Putain, notre racisme a augmenté de 56%, Sora. Ah ouais, d'accord. T'as raté le bouille. Ça va venir, mais genre à la fin du jeu, je me rappellerai. Ouais, consomme. Non, attends, fais gaffe où tu marches, mon ref. J'aime bien le concept de la molette. Ok. Je commence à perdre la tête. Si je tire dans la poule, ça me donne de l'argent. Rodrigo! Non! Oh putain! Brûle, brûle, Babylone, brûle! Je crois que Rodrigo est mort, les amis. Là, je suis tellement mort. Inerte, c'est bien. Les autorentes de la vie. J'avais toujours marqué ça, mais plus dans le 5. Dans le 5, j'ai explosé avec un zombie. Il y avait un œuf. J'ai mangé l'œuf, je l'ai soigné, j'étais genre ok. Quoi ça? Ah d'accord. Rodriga, y'a personne. J'ai tenté de tirer sur la poule, mais j'ai pas tiré tout le quartier. Puedes correr. Eh, hey, vous n'êtes pas du village, monsieur. La poule, fait pas de bruit, s'il te plaît. Connasse. Ah, il va falloir que je te la connasse qui arrive. Alors, je sais plus comment on fait les meurtres fufu, façon de parler. Donde estas? Il est où, je crois, elle dit, mais je suis pas sûr de bien entendre. Enfin, où est quelque chose, en tout cas. Il y a un coffre, hein. Enfin, un coffre. La fenêtre. Tu retournes pas. Fernanda, bouge pas. Là, ce qui me fracasse, c'est que Léon, genre, il savait que c'était une... Ça se trouve, c'est juste une femme de ménage, façon de parler. Ouf. Oui, elle dit, où est-il? Chut. Oh, pile à neuf. Pile à neuf. Pile à neuf. Et... Attends, t'es un coq, je crois, non? Ok. Je suis en hardcore, je suis désolé, hein, de toute façon même en standard j'aurais fait la même. Mais je suis un peu discretos. Et... Il y a moyen d'aller là. Il y a forcément un mec là. Il n'y a pas de carte dans le jeu. Ah merci. Dans le mur, ouais. Ok, j'ai fait ça. Et là, il y a des trucs par là. Allez, cours. Tu veux que je cours? Pourquoi tu veux que je cours, Repello? Tu vois pas que c'est une mission de discrétion?
Je vais tenter de faire connaissance avec l'autochtone. Tu veux pas fermer la porte derrière toi, mon raf? Voilà. Parce que c'est plus rigolo. Je suis en hardcore, cousine. Ils sont tous en train de regarder Pablo brûler. Ils sont là, Pablo, il brûle bien. Ah ouais, non, il fait froid. Non, franchement, l'hiver. Là, il y a un Pablito. Oh, regarde-moi ce schlag, il est là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais plus où je suis, man. Tande esta la paella? Racisme plus 3. Oh, le pélo qui veut que je cours. Qui me fout dans la merde. Alors que mon chasse, il marche plus. Saint-Pépon, je sais pas où il est, ma sœur. Je veux dire, ok, il est dans le village, je vais me promener tenter de le trouver, mais... Surtout, pète les choses. Vas-y. Angela! Viens! Manqué! Et si on a table là? Je suis une chaise! Elle aime pas les chaises. Elle est toujours à gauche. Je crois que c'est un péché si elle vient là où je suis. Coucou. Qu'est-ce que c'est? Bon escort. Allez. Vous voulez que je foute le zbeul ou non? Répète-le, je me doute, elle va dire oui, mais ça va vraiment dépendre du vote de Sora. L'ombre de la motosierra. Vous voulez foutre le zbeul? Bah, j'ai plus le choix maintenant. Oh, wow! Il est glissé sur lui! Oh putain! Pardon, excusez-moi, j'ai un bus à prendre. Il y a un mec qui court vers l'entrée, ce bâtard. Là. Il court, le Simbad qui se fait courser, il court, le Simbad qui sait pas où aller. Bon, qui veut... Merde. Hop là. Parfait. Oh, le bâtard. Oh, non. Ouais, non, non. Mamie, d'où tu me runs? Connasse. Aide-moi, toi. Je réquisitionne cette monture. Allez, venez. Il y a des poulettes. Mais genre, il y a, ça va pas... Oh, le bâtard. Je suis mort. Ouais. Cutchlass. Je vois ça, Sora, je vois ça. Je sais, ils ont la fonction de groupe et de... Hop. Pardon, voilà. Je vais m'attarder. Eh, papy. Bien sûr, je prends pas leur place. Merci pour les pesetas, papy. Non, 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 non. Mais nique ta... Mais c'est un truc de... Ça, c'est ce qui passe, hein. Excuse-moi, j'aimerais prendre l'objet de heal en face. Et hop. Hop, merci pour l'œuf. Oui, oui. Merci. Au revoir. Quoi? Non. Non! J'aurais dû aller chercher le pompe. Pourquoi? Il est où le pompe? Pompe! Aïe! C'est fini. Insta morire. J'en ai plus, de quoi? T'en as plus? Tu te fous de ma gueule? Non, non, la fourche, c'est bon. T'as planté ton frère?
Non. Où est le pompo? Donde est le pompo, senor? Il est tellement mort. Ah, je vais avoir une mort dégueulasse, hein, soyez prévenus. Ah ouais, ça met des pièges normales. Bah bravo, cousine. C'est mort. J'ai même pas m'arrêter de courir. Où est le pompe? Où est le pompe? Je peux pas sortir par la fenêtre. Je vais aller dans un cul-de-sac. Il y a quelque chose ici. Ouvre le plus vite. Je suis mort. Pardon. Merci, au revoir. Excusez-moi. Merci beaucoup. Non, Fourche Girl, c'est mon pire ennemi. Run, boy, run. Aïe. Putain. Il y en a de plus en plus. Ah, je suis mort. Aïe. Ah, je suis mort. Prends sonnette. Fini. Game over. Ouf. Allez. Continue. Cours le plus loin possible. Mais laissez-moi me taper un peu. On peut plus tuer tranquillement. Voilà. Pedro se fait fumer. Et c'est une fin de tournage pour Léon. Ah. On dirait que sa carrière ne fera pas long feu. Voilà, j'étais allé surtout dans cette zone-là. C'est vrai qu'il y a un escalier intéressant. C'est là? Ok. Gracias. Oh! Merde, on peut pas voir le capitaine se faire fumer, Sora. Sora, méfie-toi, hein. Et puis là, je vais te mettre un coup de chlasse comme ça. Des nindas. C'est la Bello, elle va te courser comme la dame, là. Alors, Sora, tu dis au capitaine où faut aller. Allez, le mec dans le placard, je m'y attendais pas, par contre. J'ai pas de la ferraille tout à l'heure. Attends quoi, ça modifie les objets à chaque run. Salut Chris. Y'a un mec, dis-toi, genre il est là-dedans. Il rompif et tout. J'ai trouvé un rubis tout à l'heure, mais je sais même plus où c'est. J'aurais bien fouillé ce village. Bonjour, j'ai pas le temps. Le rubis. Le rubis. Le rubis. Oh mais Sora, j'aime trop l'argent. Des ballasses. De toute façon, il va pas pop tout de suite. Ok. Bonjour. Excusez-moi. Je suis pas eu ici. Hein. Ah. Ouf, ouf. Oh la vieille. Puta madre. Voilà. Puta chlassé. Alors, comment j'accède à ce bâtiment? Excusez-moi. Je suis là pour la visite. Aïe, pas eso. Wesh, ça va, mon ref. Je suis américain, j'ai le droit d'aller là où je veux. Ok? Des échelles. Trans. Oh, t'es déjà? Mais monsieur! Là! Là! Problème?
Le mec qui est en train de tout fouiller comme il veut. Merde, c'est déjà là. Ok. Et le hamburger, bien sûr. Ok, je suis parti. Putain, je suis tellement mort. Eh, je vais avoir une belle mort. Soyez prévenus. Hein. Ok. Attends, mon ref. Voilà. On pourrait courir maintenant. Là, je suis tellement mort. J'avais un spray. Je vais mourir dans quelques secondes. Ah, j'ai cartouche, mais je n'ai pas le peupon. Bah. J'ai même pas vu. Oh oui. Bien dégueulasse. Les deux. Bah dis pas. Pas de Yankee, pas d'Arimicano ici. J'ai tout vu sauf le peupon. Ah. Allez Pedro, on part pour un tour. 1, 2, 3, 4. Ok, passer à la cinématique. Oh putain, Pedro est mort. Merde, non, franchement. Qu'est-ce qu'on s'entendait bien sur la route. Excusez-moi, je sais que je vais mourir sans le pompe, donc je vais direct chercher le pompe. Bonjour messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Léon, vous allez bien? Je sais pas c'était quoi la pompe. Vous allez pas bien? Où est la bonne porte? Je ne sais plus si c'était cette porte, bordel de merde. Ok, on monte direct, hein. Excusez-nous, permettez, oui merci, merci. Le pépon sur le mur, tu m'as dit? J'avais pas vu, l'autre il est déjà là. Mais attends, dans cette timeline, t'es pas censé être là, toi. Le P... Ah oui. Oh, je suis aveugle. D'accord. Madame. Oh, le bâtard. Non, le bâtard. Oh, le bâtard. Non, il y avait trop de gens, je m'attendais pas aux deux mecs. Quatrième et une pendaison gratuite. Vous allez voir beaucoup de morts, je vous dis. Je m'attendais pas qu'il y ait les deux NPC qui me gênent. Sors pas, j'avais pas envie madame. Je voulais accueillir le monsieur avec un pompe. Bon, Pedro, on repart, prendre... allez. Hop, hop, allez Pedro, allez, allez Pedro. Voilà, merci Pedro. Il y a quelque chose qui me suit, quoi. Non, c'est la poule. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picotti, picota. Ah, ça, c'est cool. Pardon. Voilà. Je vais me faire enfourfer. Qu'est-ce que... T'es moi. Je peux bouger. Ok. Oh oui. Attendez, je loot, monsieur. Non, non, mais qu'est-ce que tu fous? Non, mon ref. Ah. Oh mon dieu. Pourquoi t'as remis l'échelle? Tout est... Pourquoi? Vous voulez juste que tu ramasses un objet par terre? Mais...
Hey, j'étais juste en train de loot. Il y avait plein de loot. Vous voyez, la cupidité tue. Je voulais juste ramasser. Il dit, ah non, attends. Je suis pas un Américain. C'est un jeu japonais, on a le respect. J'ai poussé l'échelle, je la remets à sa place. Elle parle bien de Ratus. Bon, Pedro, cinquième prise. Je voulais juste ramasser du loot. Il y a une grenade, il y a un pack. Tu veux sortir par l'autre. Tu vas voir, je vais sortir par l'autre fenêtre, il y aura un. Il y aura un Nemesis. Oh, on l'a refait. Griselda, comment vas-tu? Ça va, ça se passe? Voilà. Désolé, Griselda. Bon, c'est un Américain avec des valeurs quand même. Bah oui. Oh. Eh, ça, c'est bon, t'as gagné une citation. À ma prochaine mort, je le ferai, t'inquiète. Parce que la grenade a été tellement bien. Bon, en vrai de vrai, il pète pas le truc tout de suite. Donc il y a moyen de moyenner. On va tenter de prendre les tonneaux dans les du bas. Attendez, c'est vrai, hop. Ok. Il y avait un truc. Ah, c'est de là où j'avais le spray, d'accord. Il y avait un truc par là. On peut pousser? Ouais, non, on poussera plus tard. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'aurais dû pousser l'échelle peut-être, non. On pousse. Non, elle m'a dit de sauter par l'autre fenêtre. Ouais. Ouais. Ok, il arrive. Je suis parti. Je vais prier. Ah, je peux pas. Oh putain, le piège d'un con. Non, la fourche. La fourche, ça me fait tellement peur maintenant. Alors, oh, d'où tu m'attrapes? La peine. Survie. Il est derrière moi. Vite, vite. Ouh. Il a tué la vache. Oh le bâtard, depuis quand t'es là? Non, la fourche. Sors de la fenêtre là. Voilà. Bonjour messieurs dames. Oh oh oh. Mamie, pardon. D'accord. D'accord. Ouais, je peux monter? Oh le schlass! Non, j'aurais pu aller bouillard, mais y a l'autre, j'ai peur. Ah ouais! Attends, prends un soin de ref. La grenade, ça serait peut-être pas mal. Non, non, Matar, node. Bon. Ah ouais, ça court vite. Hein. J'avoue, une petite nez. Oh ouais, non, ça se tente. Ça se tente. Oh, oh le loot! Merde! Et il y en a un, il est vif, hein! Il a couru et tout! Oh, rapide! Mais t'as fait quoi là? Alors est-ce que je. C'est un bokaboum, merci. L'échelle. Bah oui, c'est vrai, c'est pété. Oh, ouf! Non, la porte elle s'ouvre pas, je suis en train de me foutre dans la merde. Ouais.
Oh putain, what? Je suis mort. La mort immédiate. Au revoir. Non, c'est mort. Je veux pas ici. Elle m'a fait tellement mal. Je veux vivre. Putain, je te jure, je comprends Foden. Je veux vivre. Ah, j'aurais dû pousser l'échelle. Personne derrière moi aussi. Non. Ok. Là, il y a de la loot. Voilà, ramasse pas d'échelle. Poué, poué, poué. Poué, poué. Ouais, ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Il est où l'autre? C'est ça le problème. Il y a personne là. Oui. On fait une petite vibes. Cette veste qui se recoue tous. Ça sonne. Rentrez chez vous les ploucs. Putain, je peux pas vous taper, t'as de la chance. La campagne. La campagne. La iglesia. Ah, j'avoue, avec un sniper, tu mines un truc. Tenemos. Tenemos una tramansoniera dans las manos. Vas-y, mon ref. Hein. Elle, il est grave confiant, j'aurais quand même gardé mes distances avec eux. Imagine, il y en a un qui change d'habit, mais un coup de chlasse. Ok, est-ce que je peux fouiller? Est-ce que je peux fouiller? Donde está fullitos el virajos? Je me rappelle pas l'avoir tué lui. J'avais pété une caisse, est-ce que je peux la fouiller? Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête? Non, c'est une église. Oh là là. Oh Pedro, il a... Non. Un corps humain, il brûle aussi vite? Non, ça je crois pas. Non, j'ai... Des zombies, je veux bien y croire, mais un corps qui brûle en quoi? 5, 10 minutes? Non. Quand même. Et Pedro. Ok. Non, je veux pas téléphoner. Bonsoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Ok, merci un Perforas. Moulin. C'est noté. Il est plus là, sois prudent. Tronçonneuse boy, il a tué. Ok. Voilà. On va bien fouiller. On va faire bien le ratus. Non. Snake. Merde. Merde. Attends, je suis sûr au boulot, tu leur dis merde. C'est fermé? Ouais, bah non, parce qu'il faut que... Oh non, non, putain, oui. Je vais rappeler qu'il y a un autre personnage dans le jeu. Enfin, je sais plus, parce que j'ai tellement fait des timelines différentes, je sais plus si je suis rentré là ou non. Si, la fenêtre est pétée. C'est là où j'étais. La poule, je vais te tirer dans le fiac si tu continues. J'ai raté un tonneau. Ok, je vais faire un demi-tour. Grenade! C'est bien américain, ils sont partis prier, ils sont en train de tout leur voler. Donde está el tonito? Je sais pas comment on dit tonneau en espagnol. Ah oui, oh oui. Ah mais voilà, j'ai des problèmes de vue. Le peupon, je le voyais même pas. Le peupon, genre, on... Ah
OMG, mais sur le mur, capitaine, bordel de la droite, va! Mais t'es comme ça, ça. Tu vas la ramasser, ce pompe. Tiens, juste par principe, même si c'est après la guerre. J'ai rien raté, non. Je vous jure, il y avait une canette de Schweppes là, je fais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là? Il y a des objets sur les toits! Oupsie! Ok, je crois que j'ai tout pris dans les salles là. Je vais aller voir en haut. Oh, attends. Pedro, ces gens sont tarés. Franchement. Là, ouais. Tiens, là, j'y suis pas allé dans cette timeline, je crois. C'est certainement de foutre. T'as senti la haine? Je sais pas, tu m'entends marteler quand il y a un mec qui m'attrape et je dois me libérer ou non? T'entends le ta 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 ta. Ouais, hop, un rubis. Putain, attendez, j'ai 2-3 stations à rajouter. Celui-là. Alors. On va reprendre depuis le début. Libère le loup, use pas tes balles sur lui, chlasse, astuce, grenade, corbeau en même temps. Surtout, joue mieux. Ah, répélo, j'espère que tu meurs dans d'infâmes souffrances. Dans un jeu vidéo, bien entendu. Voilà, bouilla. Les jambes et bouilla. On va faire ça. De toute façon, on aura la ref vu que ça dira le jeu. Hop là. Faire ça. Voilà. On va en rajouter un autre. Hop, hop, hop. Alors celle-là, là. Concept de la mallette. Aurais-je cru la main dans les volets. Le simple pont. Bruit de poule, voilà. Si, allez, parce que c'est plus rigolo, oui. Le droit en temps voulu, promène-toi un peu, bah, je te conseille Run for your life, bouillard. Question de point de vue, boum boum, fucker, sur ce coup de pelle, je chiale. Run for your life, demi-tour de ta carte, cours le plus loin possible. C'est une fin de temps, c'est une fin de temps, il faut aller en ta carte pour le pompe. Pas drôle, tu trouves le pompe direct. Audrey, tu attends. Ok. Hop là. Là, je vais vous apporter la numéro. Là à droite, il y a trop fait dans le clip du sujet, pas mal. Au quatrième, une pendaison gratuite. On va être un ratus, surtout un beau fiac. Esquive de la loutre, cette esquive. Ah, c'est quand je l'ai esquivé vers la grande porte, là, le... Transo Boy. Ouais, yes, ah, c'est l'heure de la messe. On dirait que c'est bon, là. Non, je crois que Chris, il a dit un truc. You waiting, hein. Non, bon, ça m'a l'air d'être bon. Reprends. Retour au jeu. Merde, est-ce que le jeu est pas revenu en 20-30? Merci. Ouais. Et ouais, des choses comme ça me stresse, parce que j'ai l'impression, tu sais, ça se pète, mais ça se pète pas.
Alors, le grand... Ouais, je devrais peut-être repartir save, non? Ça a dû faire une save auto. On va verrouiller, ouais, le truc dans le mur. Tiens, la maison là, non, c'est là où il y a l'animal, là c'est là où il y a la messe. J'ai pas fouillé là. Toute façon, par là, je peux pas, non, ça s'active pas. Ah si, pardon, j'ai rien dit. J'entends des voix, je crois, mais je pète les plombs. Oui, 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 il y a l'église. J'imagine que on va pas y aller. Mais là, il n'y a pas genre un objet. Ah, c'est pas. Ah, voilà! Quand même! Quand même! Hop. Ça, je peux pas y aller. Ok. Ça, c'était bloqué tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe. Oh, l'animal! Oh, c'est trop sous-bois, il l'a fumé. Parce que tout à l'heure, il était ici. Eh ben, je suis désolé, mais je vais quand même sans tenter d'entrer dans l'église. Ce qui est bien entendu pas le bon choix. Non, j'ai tout fouillé. Ouais. Marquis ne peut pas prier. Et donc là, il faut que j'aille vers un grand moulin et le lac. Le problème, c'est que j'ai deux portes. Et moi, mes souvenirs, ils datent. Donc soit je vais par la porte qui est là-bas. C'est la meilleure des vaches, de ouf. T'imagines, elle a dû vivre dans ce monde et tout. Ou je vais à l'autre porte. Mais est-ce que l'autre porte, il y a un moulin? Tout à l'heure, je me suis pris un piège à loup. Souvenir, tu dois prendre le chemin, pas la porte. Mais c'est quoi que t'appelles un chemin et une porte? Genre ça? Ou ça? Moins qu'il y ait un chemin que j'ai pas vu. C'est ça le chemin? Au pire, je vais faire comme ça. Si c'est pas ça le chemin, je cours sur l'autre. Et si c'est ça, j'y vais. Pire, je teste, hein. Oui. 3, 2, 1. Zbingy. Ouais, le moulin, c'est par là. Alors, l'autre chemin, c'est quoi? Merde, il y a des voix. Ça ripop dans le village ou non? Il y a de l'enduit, hein, le monsieur. Il y a eu un bruit de bouteille là. Je l'ai pas aimé. Ça, j'ai fouillé. Dans ce cas-là, ça, c'est quoi ça? Ok. Bon, bah, il n'y a pas le choix. Il court, le lion, est-ce qu'il est né dit? Médaillon bleu. J'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Putain, tu vois ça, j'ai cru que c'était des munitions pour pistolet, donc c'est la fin. Sur enfoiré, tu pouvais pas ouvrir quand il y avait le mec à la tronçonneuse. Bonjour. Il y a un truc dans ma manette. Tour d'apparition de pistolet plus un. Un puits, un trésor au-dessus. Me faire fumer, heureusement j'ai sauvegardé. Oh yeah.
Ah mais j'ai plus de chasse. Oh, t'as chié un œuf, merci. Très sympa ma petite. Donc toi je peux pas te fumer avec le flas. Une vache, deux vaches. Ok, merci les gars. Tiens, c'est vrai que j'ai pas essayé. Ouais, fabriquer. J'ai une pistolet. Ah, il me faut la ferraille. La ferraille, je l'ai eu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, ça m'a donné de la ferraille, mais pas cette fois. Ok, d'accord, super. Sora, je pense que, un, tu sais, c'était une rançon, fallait pas qu'il attire l'attention, et deux, c'était juste, il y avait peut-être 10 000 pistes, peut-être pas 10 000, mais genre plein, donc tu sais, t'envoies un homme à droite, un homme à gauche, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, t'as un truc, c'est... Ah, mais il sait pas que c'est Léon, le président, il sait juste que le mec, il a survécu, quoi. Ok. Essayons de pas réveiller le quartier. Oh, j'ai vu un médaillon bleu. Ok, on va pas faire de bruit pour pas attirer l'attention. Deux. Il a disparu? Non, il est bien là. Deux. On peut pas prendre le schlass des gens. J'avoue, partir qu'avec 10 balles, c'est une dinguerie. Hein. Surtout après ce qui s'est passé à Raccoon. Est-ce que vous voyez une affiche bleue? Ok. Quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus pour que ces fanatiques ont accroché partout? Ok, détruire tous les médaillons bleus, zone ferme, spinel x3, pression 0 sur 5. On est juteux. Est-ce qu'on tente de se faire tous les zombies? Est-ce qu'on visite encore un peu? Franchement, si j'avais un flash, je pourrais au moins tuer deux mecs avant d'attirer l'aggro. Il y a une mine? Ouais. Ça se désactive pas, si? Non? T'as pas trouvé trop chiant de qui? Sora, écoute. Je sais plus c'est qui m'en avait parlé. Mais non, un rocher, c'est pas lui, c'est Chris Ventox dans le 5. C'est un gourou. Mais Sora, genre Ashley, je vais t'expliquer. Je suis désolé de te faire un start comme ça, mais pour que tu comprennes. L'intelligence artificielle la plus conne. Mais genre, écoute, Sora, genre, je vais te dire. Imagine, t'es avec Ashley sur une carte, et sur cette carte, Ashley peut se faire kidnapper 20 fois. C'est le maximum, genre il y a 20 possibilités. Je vais te dire, Ashley va réussir à être capturé 21 fois. Et il y a même des problèmes. Genre, je vais te dire, tu laisserais Ashley dans un appartement logique. Elle parle bien de Navi, Repello. Navi, au moins, elle te conseille, elle discute avec toi et tout. Elle te dit, listen, listen, mais au moins, elle t'aide. Mais Ashley, genre, il n'y a rien de positif. Genre, vraiment, Sora, Ashley, en fait, c'est vraiment une vraie fille de président parce que. J'ai l'impression que tu peux la laisser toute seule dans une maison normale, mais vraiment genre par exemple chez toi. Elle va réussir à se tuer dans les escaliers, elle va exploser la cuisinière, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est trop. Non, non, ils l'ont modifié, c'est pour ça, je sais plus ce qui m'en a parlé, ils l'ont modifié, sinon j'aurais jamais rejoué moi. Elle m'a rendu ouf. C'est pour ça, personnellement, je me suis rendu compte du changement par rapport à Resident Evil, quand il y a eu le Resident Evil 5. Parce qu'en fait, quand il y a eu Resident Evil 5, j'ai pu m'en rendre compte. Parce qu'en fait, si tu veux, dans le 4, c'est vrai que ça avait changé. C'était plus vraiment l'horreur. Non, t'engueule pas. Non. Non, non, Sora, on t'engueule pas. Mais genre, Sora, tu te rends pas compte de... C'est vraiment, genre, la cagole originelle. Genre, Sora, c'était... On t'engueule pas. Non, c'est juste... On a les flashbacks, tu vois, des gens qui ont fait la guerre au Vietnam. Sora, genre, je te jure, elle était extraordinairement... Mais genre, je sais pas, tu sais, elle a... Il y avait trop de trucs.
Genre Sora, vraiment. Je peux pas en parler, l'émotion est trop forte. Je vais pas y toucher, j'ai envie de me foutre dans la merde. J'ai vu qu'il y a un troisième médaillon en face. De toute façon, il y a un moment, il va bien falloir que je me tape. Mais non, elle est. Je sais plus qui m'en a parlé, mais sinon j'aurais jamais repris le jeu. Les anciens sont traumatisés. Parce que, en fait, si tu veux, je vais te dire, il y a un vrai changement dans Resident Evil. Le changement, c'est 1, 2, 3, c'est vraiment de la survie, du survival horreur. Ensuite, pour moi, 4, 5, 6, c'est devenu de l'action horreur. C'est-à-dire, il y a de l'horreur, mais bon, tu mets des bouillas et tout. Mais en fait, c'est vraiment dans le 5 que je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est devenu un jeu d'action. Parce que dans le 4, même si avec Léon, je me démerdais bien, ce qui va pas être le cas ce soir et les autres soirs, Ashley m'a pas permis de prendre conscience de ça tellement elle était irascible. Tu vois, j'utilise d'autres mots. Tiens, un autre médaillon. Ok. Celle-là, maintenant, je sais où il y a 4 médaillons. Je pense qu'on va aller stop. Hein. On va aller stop et faire les médaillons. Et quoi par là? Non, ça, c'est pas là où j'étais. Ok. Il y a quoi derrière? Oui, la porte, non? Une femme qui m'a vu ou quoi? Une herbe verte. Et un autre médaillon. Oh, ok. Bon, ça va avoir un peu d'oseille. Coffre. Et où le pichet? Un monsieur avec une tête de vin. Attends. Alors, ouais, tu peux me faire. Tu sais quoi, fabrique-moi des balles de peupon, s'il te plaît. Non, pardon. Ici, on ne jure que par le peupon. Peut-être que oui, peut-être que non. Hihihi. Elle est en train de se marrer, elle IRL, je le sais. Je le sens. Non, mais t'es un ouf! Non, je crois que. Non. Il me semble, je sais plus. Discrétion 0. Il ne voit pas du tout loin. Non. Oh non, Gollum, tais-toi. Oh super, un chlass. Une roue. Parce que bien sûr, on doit mettre une roue ailleurs. Oh. La vache. Bah non, c'est pas une vache. Putain, je suis dans un cul-de-sac. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est mort. Au revoir. Non, pardon madame. Je le sais. Putain, j'avais trouvé un chlass, j'aurais pas dû ramasser la roue. J'aurais pas ramassé la roue, on en serait pas là. Merde, c'est un cul de sac. Cul de sac, os. Vamos a la playa, pa. Ah, vous êtes bien pas, tiens, en vrai. Non, j'ai une grenade, ouais. Un petit cadeau. Non, le cochonou, il est mort. Non, pas la fourche. Ah, on va attendre en haut, et celui qui monte, on le peut. Cette phrase a un autre sens, bien entendu. C'est quoi le mec? Bonjour madame, au revoir madame. Je bouffe plus hein, c'est finito pippo. Au revoir madame. Ouh. Oh. Bonne nuit Repelo. Pélo fait de beau rêve. T'as la Valkyrie.
Il y a une partie de moi qui a envie de dire je me débrouille bien vu que je suis en hardcore, mais une partie de moi qui me dit j'aurais dû me taire parce que ça me portait malheur. Monte le vieux. Voilà. Merde, 2 balles c'est beaucoup. Putain, je suis dans la merde. Ah mais j'ai un flas. Vas-y venez, je fais le fou. Elle doit être en train de péter un câble. Ça sert le capitaine, il est malade. Oh yeah. Alors. Il faut que j'en fasse 5. Oh non. Un médaillon. Dos. Ah, il n'y en avait pas un là ? Je l'ai fait. J'ai une vraie question, est-ce que l'entraînement qu'il a eu, il aurait pas pu prendre ça et le réutiliser plus tard ? Au moins de reprendre les bâtons de dynamite et les allumer, non ? Il y en a un derrière là. Voilà. Attends, en vrai, pourquoi j'ai fait ça? Ça se coupe pas comme ça. Voilà, 4. Par contre, où est le 5? Non, c'est un jeu japonais. Ah, merci. Ah putain, il en faut. Il en faut. Ah, je fais une erreur. Point d'exclamation. En plus, il était bordel. Non, c'est un jeu japonais. Un jour, je vais vous faire un article comme ça. Le titre, ça sera non, c'est un jeu japonais et je mettrai non, genre top 100, d'accord. Et j'essaierai de prendre des exemples concrets, genre dans Resident Evil 4. Non, c'est un jeu japonais. On ne fait pas ça. On suit le Bushido ici. Tiens, un autre œuf. On va peut-être aller sauvegarder. Bon, je sais, ça va me casser mon... Mais je m'en fous, je prends mon temps. Tu sais que j'ai acheté le jeu, il y avait une offre, et il y avait un DLC avec, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si ça offre des tenues ou des conneries. Regarde le petit moulin à vent, et le puits. Petit moulin à vent et le puits du début de cette zone. Lanterne. Tire sur la lanterne et la bobinette chère. Mais Sora, elle m'avait pas dit une histoire de faire un truc pour pas laver. Ah. Pour pas casser un trésor ou je sais pas quoi. Ou alors on parle d'un autre moulin, celui qui est à l'entrée. Non, il n'y a pas de moulin ici.
Sora, elle m'a parlé d'un puits, je sais plus, il fallait pas que je salisse quelque chose. J'ai des flashbacks. Je pose la roue. Si tu vois un puits, ferme la trappe au-dessus. D'accord, bah là y'a pas de trappe. Let's go. Collier de perles sale. Merde! Merde! J'en étais sûr. Attends. Il ment? Hey! C'est, d'accord, c'est peut-être pas le mensonge de Chris qui... Ouais, je savais que Wesker était un traître dans Resident Evil 1. Mais là, genre, Léon S. Kennedy savait qu'en tirant sur une lanterne accrochée à un moulin au-dessus d'un puits, qu'il y avait un collet de perles dans la lanterne. Attends, il y a un petit chemin par là, un petit médaillon, non? T'as vu? Je le savais. Oh, la disquette! C'est une dinguerie de mentir comme ça. Ah, s'il savait que ça allait être sale, peut-être. Mais non, c'était plus sur mon avis, je le savais, tu sais, en mode... Ouais, je trouve pas le dernier médaillon. Ça s'ouvre, ça. Des fois, j'ai des doutes. Non, c'est simplement... Ah ouais, ça, c'est-à-dire dans 10 minutes, ça sera out. Les pales du grand moulin. On dirait une musique de Georges Brassens. Ouais, moi, j'aime bien les pales du grand moulin. Les pales du grand moulin. Je savais qu'on disait les pales pour un hélicoptère, mais pas pour un moulin, frérot. Tu m'aurais appris un truc. Et là, dans mon angle de vue, je verrai que dalle, on redescend. Pas descendre par là. Non, Sora, elle range pas, mon ref. Sora, elle dort avec classe et élégance. Même si, malheureusement, elle dit de plus en plus de gros mots. Attends, je suis dans la merde si je veux viser. De les regarder une par une. Non, ce sera, je sais plus, je disais ta gueule, quand t'as dit ta gueule, Josiane et tout, j'étais cuit. Ah, Josiane, elle l'a super mal pris. Hein. Pas le durant moulin, ça doit être là-bas. Au pire, je vais poser le truc et on verra. Voilà, ça bien sûr ça marche pas si j'appuie sur le truc, ouais, bah oui voilà. Y'a rien ici, non. Les pales du grand moulin. Est-ce que si je regarde en dessous, il y a quelque chose derrière peut-être? Deux. Trois. Quatre. Aucune idée. Ah là 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 là, elle est pas... Ah oui. Non, c'est ce moto, ouais, voilà. Peut-être faut rouiller. C'est vraiment, ça arrive. Hein. La porte. Mais si je fais la porte, ça me permet de partir. Qui est-ce que j'ai pas vu? C'est quoi ça? C'est là où j'ai trouvé. Attends. Oh! Ok. Ouais, c'est bien dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un médaillon? Non. Ça doit être sur le toit. Médaillon bleu, ok. Oh, waouh! Ah bah merci, mais je l'ai même pas vu. Ok, la quête elle est faite. Non, on peut pas escalader, ouais, c'est juste pour être sûr. Bon, on se casse, hein, je pense. Allons-y, let's go. C'est parti, les qui, oui. Nous allons peut-être crever. Je crois bien que le pont va m'éclater. Où allons-nous? Pour la vieille maison de merde.
Lago. Lac. Le lac doit être par là. Je peux pousser. Et je peux aller fouiller la baraque. Que feriez-vous? Vous avez sauvé la fille du président des États-Unis d'Amérique. Vous allez directement au lac? Ou vous fouillez un peu la zone? En vrai, ça doit schlinguer tout ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas assez de mouches pour moi. Alors, je sais pas, t'as 200 kg de victuailles minimum. Zelda, c'est cosmétique, le chemin d'Ada. Je crois que j'ai eu un truc où il y avait Ada en photo. J'ai le mode mercenaire, ouais, j'ai le mode mercenaire. Le mode mercenaire, je le fais sur le 5, mais le catch, je me rappelle même pas qu'il y avait, frère. Les tickets d'amélioration d'armes, le blade de luxe. Non, non, j'ai eu un truc, mais je pense pas que ça m'a fait tout ça. Ouh. Oh, d'où tu sors, mon ref? Quelqu'un d'autre? Et là, ça va s'ouvrir. Ah non? D'accord. Non, ici nous sommes japonais. Quand on prend une route, on prend une route. Non, je peux pas. Vous voulez foutre quoi? Ah, c'est une vraie question. Je sais pas si je dois genre... Je sais pas en fait. Il y a un petit chemin? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Merci mon ref. Parce que j'étais en mode, je comprends pas. Ah, bien vu, bien vu. Je pensais que c'était le petit chemin, il était plus loin. Très bien vu. Tiens! Excusez-moi, un petit atchoum. Non, 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 pas la forge. Non, 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 non. Avoir aussi la première fois. Putain! Prends ta lampe torche, non? Comment j'active la lampe torche? Comment on active une lampe torche? Attendez, excusez-moi. Ah, à recharger. Un demi-tour rapide avec RB. D'accord. Ça c'est très intéressant ça. Ah, je vois pas de touche de lampe. J'aurais pensé si j'appuie sur le stick. Alors, je cours. Ça marche pas. Alors, je sais pas si je dois maintenir ou appuyer. Ah. Ok, je gère pas bien, mais ça va venir, j'imagine, à un moment. Et la lampe torche, mon ref, c'est un péché ou... Ah, peut-être qu'il veut pas, parce que c'est juste ça. Je sais pas si je tire une chauve-souris, c'est bien ou pas bien.
Ok, j'ai peut-être mal visé. Ok, c'est mort. Deux balles. Putain, Sora elle dort, je suis choqué. Sora! En train de ronfler là. Balle de gun, ah, j'avoue, j'ai pas à pompe, je pense. On va garder. Ça m'attaque? Non. Un mec. Non, j'ai pas été assez rapide. Putain, et j'ai perdu l'effet de surprise. Merde. Wesh, mais tu me visais même pas. Oh la doublette. Oh la triplette. Oh la quadruplette. Oh la quintuplette. Je vous dois de l'argent ou quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Laissez-moi passer. Il y a le piège. Non, c'est une dinguerie. Je me suis pris toute l'armée napoléonienne dans la gueule. Ah, par contre, je suis nul. J'arrive pas à faire des bouillards rapidement. Aïe 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 aïe. Pardon, merci. Voilà. Il m'a laissé le passage. Il m'a dit non, je veux pas me prendre, j'ai un bouillard. Bon. Est-ce que ça. Non, 3 ça ou pas une grenade. T'es mal. Oh, ça met des esquives, ça met des feintes et tout. Pardon, la dynamite. Ouais, mais t'es pas américain, Ventox, c'est pour ça. Oh waouh, j'ai fait tout. Ouais, là, normalement, j'ai perdu un pied. Facile, faut pas qu'un. C'est, je suis mort. J'étais trop gourmand, j'aurais dû me soigner. Merde, ça m'a ramené où tout ça? J'espère que ça me ramène dans le tunnel. Mais là, en vrai, j'ai très mal débuté parce que j'ai raté mon piège. Et comme j'ai perdu l'avantage de surprise. Ça m'a mis dans la merde. Et après, là, je me suis pris la quintuplette, genre... Pff. En fait, c'est lui, j'ai pas été ça. Il y avait un mec qui s'est pris un piège, je sais pas pourquoi. Il y a une timeline où un mec a couru dans ce piège. Oh, la mort que j'ai failli me manger. Mais ça, je l'ai pas vu, ça, tout à l'heure. Mais en fait, dire là, tout à l'heure, je suis mort ici. Ah, ça, il m'a vu. Ok. Par contre, il y a une chose qui m'épate, c'est pas les mêmes objets qui rebootent. On va aller sur le côté tunnel et j'attends. Non, pas mêlé. Là, mêlé. Non. Mais je t'ai mis une tête là. Non, là t'es mort. D'accord. Ah non, il est pas mort encore. Non, 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 non. Attendez, monsieur. Moi j'ai plus de chasse. Ok. Tranquille. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un. Beret Boy, viens. Les pièges, ils marchent avec vous ou non? Non. Et j'ai pas le temps. Non. Ah, le piège. Le piège ne te le mange pas. Hein. Là, il y a un autre piège. Là, il y a une connasse. Là, il y a un autre piège. Faut pas que je me le mange. J'ai pas oublié la quintuplette. Oh, t'es vif, toi! Pardon. Voilà. Excusez-moi. Théorie, vous êtes tous de... Ouh là là. Non, non, non plus. Oh, allez, non. Il a pas aimé mon tir, lui. Bouya, ah double bouya, c'est bien. Ouais, non, 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 merci. Pourquoi tu recharges? Pourquoi tu recharges? Là, tu vas te prendre la chasse. Merde, mange. Ouais, le problème, c'est moi aussi, je mange pas assez. Je me le répète souvent. Genou, tête, mêlée. Ou tête, genou, mêlée. Merde, 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 merde. Oh, le fiac.
Il faut y faire un troisième Fayak. Voilà, on part. J'ai vu qu'il y avait des trucs à loot. Oh non, mais c'est pas possible. Là, normalement, j'ai plus de pierres. En vrai, un seul piège à ours, normalement, il paraît, ça peut vous estropier. Mais je m'en suis jamais mangé, donc je sais pas. Ok, il reste encore la femme quelque part. Madame Gonzalez. Il y a un piège. Ah, madame. Cogno. Oh. Oh, ça change tellement de choses, Chris. Merci. Alors, elle a la dynamite illimitée. Elle est là. Elle est où? Elle est en hauteur ou quoi? Madame? Elle vient d'où la dynamite, ouais? Tiens, il y a une ruche. Non, c'est un nid, pardon. La dynamite, elle me stresse de ouf. Pourquoi ce bruit? Ah, c'est quelqu'un qui est là? Non. Mais c'est une dinguerie! Je sais pas d'où ça vient. La mort vient du ciel. J'avais pas eu le petit truc. J'entends un petit piège ou un truc, un petit cliquetis. Ah, ça c'est HL, ça. Je suis mort. Mais ah bah voilà, putain. Vas-y mon ref. Tu peux pas viser aussi loin, non? Ils ont... C'est moins l'américain, mais c'est eux qui ont tous les explosifs. Alors là, si on savait pas que j'étais là, on le saura. Je viens pas jouer. Ok. Ça, j'y suis allé. Ça s'enlève pas, je me sais plus. Ouais, d'accord. C'est peut-être ici. D'accord. Ça c'est un hôtel à débloquer. Est-ce que je peux aller visiter le lac vite fait en deux? Allons-y. Regarde la map. Je fais pas un 100%, mais...
Ah, je me rappelle pas avoir pris deux échelles là, toi. Au moins c'est dans la mine. Ah, c'est peut-être la mine. Non, non, c'est bien par là. Non, ça c'est la mine, ok. Ok. Enfin, la mine. Ah, bien sûr, ça, j'ai pas la clé. Et bien sûr, on peut pas récupérer la dynamite sur les mecs morts. Il y en avait 3000 pour se frayer un chemin. Et j'ai pas de chasse. J'ai toujours une porte de secours. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai pas de chasse pour faire le truc qui serait. Monsieur, relevez-vous. Non, pas à ce moment-là quand même. Mon ref, t'es vif. Putain, j'ai tiré partout. Sauf là où il faut. Salut Miri. Ça va et toi? Je suis venu chercher la femme de David. Putain. Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Comment il sait que je parle en anglais? Perspicace, seigneur. Eh non, je tiens à ma santé. Fatigué. Toujours malade? Tu peux me détacher au moins? Rendez. Salazar Serpentard. Je suis pas venu à la messe. Il va me taper. On a piqué ça. Allez, je dis que je veux aujourd'hui. Ah, il y a carrément un résultat du chapitre, ils doivent être claqués. Ah non, le début de la mission, de toute façon. Lors discret, effectuer une mission. Couteau dans la plaie. C'est une attaque avec un couteau. C'est une attaque de mêlée. Combiner des objets entre eux. Vaincre 10 ennemis avec des attaques de mêlée. Vaincre 5 ennemis avec un couteau. Vaincre 10 ennemis avec des explosifs. Tirer sur un bâton de dynamite dans la main d'un ganado. Bah merci, Chris. J'ai 78% de précision, c'est pas moi qui a joué là. Attaque subie 17. Je m'en suis mangé 5 à un moment là, la quintuplette. C'est des cuves, c'est que ça a bien bu alors. Elle est où la boutique spéciale là? Donde está la boutique là? Por favor. Cinématicas. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Myril, j'espère qu'on t'a bu, il y avait pas ce mec. Maintenant. Myril, ça va se réveiller comme ça demain. Merde, je pensais avoir enlevé le chat pourtant de mes contacts. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça. Hey, Yankee. Ouais.
c'est Luis Serra. Luis Serra, c'est Léon et Kennedy, prononcé à l'espagnol. Arrête, ok. Ciao, Chris. J'ai déjà assez morflé. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation. Relish Nuts, Sora, elle est allée scuver, t'es venu te décuver. T'es ici pour retrouver quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes genre Pokémon or et argent. Jeune fille. Très pédophile. Maintenant, ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient Señorita. L'emmenaient ? Où ça ? Qui sait ? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Ça s'est bien passé ? Merde. Oh, ça doit faire tellement mal en vrai. Hey, où est-ce que tu vas? A plus, amigo. Il est parti 5 secondes avant nous. On le retrouvera pas. Elle est où la boutique? Ça fait une heure. Comme Infant Revolutit. Bienvenue Infanti Revolutit. Un enfant qui évolue. Merde, mon équipement sans stuff. Tintin, je suis à poil. Condor 1 à Perchoir, j'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien, on progresse. L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet. Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Tu vois, j'ai jamais utilisé une hachette. Enfin, pour tuer quelqu'un. Enfin, ça veut pas dire que j'ai tué quelqu'un avec autre chose. Mais je veux dire, le mec il est sans arme, il se dit pas, tiens, je vais prendre l'arme du mec qui est mort. Non, non. Il va genre, bon... Putain, je sais pas, elle est où la boutique spéciale pour les PC? Je sais pas si c'est le mec qui le fait ou... J'ai entendu ce doublage quelque part. C'est quand j'ai joué Resident Evil 2, c'était le héros, c'était la même voix. Donc il est possible que ça soit ça. Sinon, il est possible que ça soit l'un des banquiers, il avait la même voix, peut-être. Franchement... Oh non, il est mort en 2 secondes. Ah non, c'est pas lui. Ah, c'est bien que vous me le dites maintenant. Ah, carrément en puissance, résistance, vitesse d'attaque. Je sais pas, peut-être c'est un doubleur reconnu. Alors, il a l'air de parler avec un mec. Non, il parle tout seul. Ok, c'est bien. C'est bien de m'apprendre ça au chapitre 2 et pas au 1. Oh, la double face. Ah oui, ça, donc je suis parti pour un moment. Qui que tu joues, que je regarde, à me dire. Il s'appelle Léon.
S.Kennedy, comme Kennedy. Resident Evil 4, mais remake. Et là, tu vas découvrir Donald Renew. Non, je rigole. Sora, elle kiffe un doubleur français qui s'appelle Donald Renew. Pas là, je suis pas là. No, no SSTA. LB. LB, c'est quoi LB? Vas-y, tape. Oh oui. Attends, si je fume le rat. Non, ça baisse le truc parce que je touche le cadavre. Mais moi, je vais toucher le rat. Eh oui, on cache des munitions de pistolet dans un four. Eh oui, messieurs, dames, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, voyons. C'est que ça, ça y... Oh, un gros rato. Anidargo. Mais merde. J'aurais dû rester à distance, je voulais aller plus vite que toi et tout, mais vas-y. Vous êtes as. Ouais, je pense l'herbe, on va la combiner à l'avance. Alors Mirelis, c'est qui? Dis-nous tout. D'accord, et si j'ouvre... Il va y avoir une enculade. Ah, il faut que je fasse tout le tour, genre. Ah mais ça, je pourrais pas tout seul, je pense. C'est court, mon ref, court. Ah, j'ai oublié qu'il court comme ça, les mecs. J'aurai pas le temps. Je récupère tout ça. Je suis le Keblo. Ouf. J'ai doublé dans les experts à Miami. Merde. C'est peut-être pour ça alors. Putain, il doit avoir là la carrière en vrai. Hein. Experts Miami, c'est pas dégueulasse hein, quand même comme score. MG, non, je sais, vas-y, dis-nous tout. Oh, oh, c'est le doubleur de l'acteur dans You. Le méchant? Le héros, je veux dire? Enfin, ouais. C'est qui? C'est qui? Et du même acteur dans Gossip Girl. Alors, je connais pas Gossip Girl. Terminer tous les rats. Sauvegarder. Je vais tuer les rats. Mission de fusil, intéressant ça. J'arrive pour les affaires, mon ref. Juste tuer Los Ratos. Il y en avait un par là. Putain, ça bouge, hein. Joe Goldberg. Genre là avec le flash. Non, d'accord. Ah, je lui fais peur, vas-y, je vais le laisser. Plus Joe, c'est pas un petit méchant. Hein? Ok, bon, au moins je sais où ils sont. Putain, je l'avais évité tout à l'heure. Tiens, je perds pas de vie quand je tombe dans le piège. Je pensais que j'en perdais un peu au moins. Putain, je travaille pour Anne Hidalgo. 3. Alors, il y en a 3 millions par contre.
Il est content en plus, hein. You, t'as regardé jusqu'à la fin, Miri? Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. J'ai arrêté après la saison 3, je crois. Et là, je crois qu'il y a eu la 4. Bienvenue! Très très belle carrière. Bah, déjà, ouais, c'est pas mal. Hein. Et puis, même pour être le. Tu sais, pour qu'ils le choisissent pour un héros de Resident Evil, c'est pas mal. Pas mal du tout, l'ami. Ok. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Alors. Il est doublé dans Joe Joski. Ah ouais, d'accord. Oui. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Ça coûte 10 000. Ça coûte cher le soin, 10 000. Extension manette, je dis pas non. Demon Slayer, putain, on se fait pas chier. Réparer, ça coûte 4 000. Bref, c'est quelqu'un. Ah, de ouf. Les richesses que tu amasses, te... eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Pichet, je vais essayer de l'améliorer. Est-ce que ce sera tout? Ah, les spinels. Viseur laser, ouais. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. Prendre la carte à trésor. T'as un faible pour les trésors, hein. On va prendre ça et le combiner avec le pichet. Herbe jaune, non. Est-ce que je peux t'aider? Reviens quand tu veux. Sur... De rien, mon ref, t'inquiète. Très amical. Reviens quand tu veux. 11 000, ouais. Bonus de couleur, enfin, c'est parfait. Là, on va lui vendre le pichet. Bienvenue. Une affaire bien conclue. Faut que je me mette bien là, mais ouais, il faut régler ça, mais j'ai pas de place. Attends. Bah, la manette, je suis bête, achète la manette, comme ça tu vas être tranquille. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Cette taille devrait te convenir. Je t'ai suci et recevez la lunette en cadeau offre limitée. Souhaite de beaux rêves. Diffuse sniper. En leur collant une balle en pleine tête. Je suis en train de me mettre bien là. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Un brave gars, franchement. Merci. Toi, t'es un homme de goût. Toi, t'es un brave gars. Toi. Heureusement, il y a des gens comme ça sur qui on peut compter dans ces heures perdues. Putain, ça coûte cher la réparation. Je peux augmenter le stuff, mais j'avoue, je sais pas, j'utilise une quoi arme et tout. Modifiée permet de compenser un manque de compétences. J'aurais besoin de Sora, ça. C'est Sora mon cerveau dans les choses comme ça. J'ai pas d'unité. J'avoue, le pompe, par contre, j'aurais pas dit non. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. J'aurais bien acheté le lance. Ouais, 16 000 pales. En quoi puis-je t'aider ? Reviens quand ? Attends, moi, attends. Pas moyen de tri automatique, ouais. Genre, hop, non. Voilà, ça, c'est beau. Ok. Des balles de fusil, ça coûte combien? Ça coûte autre chose. Des balles de pistolet, on en a pas tant que ça. Des balles de pompe, on en a un paquet, mine de rien, par rapport au... Ouais, vas-y. On va faire ça. Voilà, vous êtes liés, c'est parfait. Le flas, j'aimerais, je sais pas si ça vaut le coup de le réparer ou non. Combat, couteau de cuisine. Ah, il y a une différence. Complètement oublié certaines facettes du jeu. Surtout. Bienvenue. Ça, je peux le vendre, mais il est sale. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. J'achète tout et n'importe quoi. Le rubis, on va le garder pour le sortir dans un autre truc. Le couteau cassé, il se vend. Mais non, je veux pas. Non, il faut que je le répare. Ah ouais, ils vont à 5000 alors qu'il est pété. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Je
pourrais vendre une ferraille. Ouais, non, tu sais quoi, prends la formule carreau. Voilà. Et on verra ça plus tard. Amuse-toi bien avec ça. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Non, c'est franchement cool, mon frère. Pas te faire tuer, hein. Iris qui doit flipper. Signe qui s'entend avec un tueur, avec un personnage qui a une voix de tueur. Alors, il va falloir que je trouve l'icône de la compagnie dans l'attaque des titans. Non, ça va. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Non, jure. Oh non. Ils ont vu, j'ai insulté la paella. Oups. Bouya, comme dirait Sora. Non. Je vais utiliser le schlass. Ah voilà. Oups. Non, pas vous, madame. Moi. Ouais, je l'enchaîne. La couze. Meurs, non? La pauvre. Périlis est déjà parti en vacances en Espagne. Que c'est exactement ça qui va t'attendre. Ah merde, je suis cramé. Par tous les sens. Est-ce qu'il y a ce mec genre? Ouf, il te met les mêmes patates. Oh, j'ai réveillé tout le tiercar, je suis mort, j'ai une grenade. Depuis que t'es gamine. Et il se passe tout ça là? Non, parce que moi je. Est-ce que les gens ils te tiennent, ils te balancent de la dynamite? Adieu, je suis mort. Voilà. Peut-être, dis vaguement un truc. Montre-moi le mot de plus près. Putain, je vais devoir racheter tout ce que j'ai racheté. Non, dis-moi que je l'ai sauvegardé. Prudence, c'est mère de sûreté. Non, je jure, la vie de ta mère. Il arrête pas de bouger, j'ai pas une précision de ouf. Oh bah tant pis, hein. On va y aller à l'ancienne. Ouais, il se passe un peu ça, ouais. Lâcher le taureau. Les taureaux. Non, non. T'as vu? Ils ont entendu. Lâcher le taureau. Activer la corrida. Ils auraient dû faire ça. Mode facile, mode normal, mode difficile et le mode hardcore, tu sais, genre vraiment. Ils auraient dû l'appeler mode corrida. Les mains, les mecs, ils ont des dynamitas. Pardon, madame. On peut pas se cacher dans un coffre. Non. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi. Non. Ils sont en train de s'exploser la gueule. Non, ne me tenez pas. C'est explosé, c'est ce que je pensais. C'est pas ma faute à moi. Ils s'explosent tout seuls les mecs. En fait, si je tourne assez, peut-être ils peuvent s'auto-exploser en partie. Parfois c'est ça la vie. Hein. Quand t'as trop d'ennemis. On va tourner en rond. Là. Il a balancé dans le vide ce schlag. Oups, j'ai raté la porte. Pardon, 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 monsieur, monsieur, monsieur. En avoir marre, moi, de toute cette merde.
Ça arrive par derrière. Les Espagnols aussi, ils ont ça dans la tête. C'est ça qui me fait peur. Lance la dynamite. Je saute. Oups. Merci. Ok, ok. Oh, attends. Non. Voilà, il y a beaucoup de gens dans la baraque. Voilà. La gentrification, les amis. Est-ce que je prends... Mais attends, j'ai... Ouais, non, ça, c'est un mélange grave trop fort. Prends-le ou prends pas. Prends l'herbe toute simple, vas-y. Non, y'a un mec. Oh, c'est toi qui me fais chier. Non, tu. Attends, je me suis pris le coup avant que tu tapes. Non. Non, 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 non. J'aurais dû avoir le coup de mêlée qui se débloque. Ah, écoute. T'as dit où, Mary ou quoi? Parce qu'il pleut des mecs. Ah, je vais mourir. J'ai pas trop aimé ce bruit. Voilà, avancez un peu, avancez un peu, avancez un peu. Voilà, avancez plus. Il y a un objet qui peut me soigner. La dynamitas. Putain, je suis grave blessé. Ah, un coup, genre, pff, une brindille, je meurs. Oh non, je suis mort. Non, la vieille qui me tue, la vieille qui me tue, la vieille qui me tue, la vieille qui me tue. Je suis mort, la vieille qui me tue, 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 la vieille qui me tue. Putain, je peux même pas faire demi-tour, j'ai pas de heal, je suis mort. Allez. Merci. Non, 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 pas le vieux, le vieux, le vieux. Ah, mon œil, mon deuxième œil. L'Espagne, ça vous gagne. Je vais en faire. Non, vas-y, ça, à l'ambassade d'Espagne en France. Mais c'est les vieux là, avec leur vote pendant les présidentielles, ils foutent dans la merde, Miralis. T'as vu les vieux comment ils sont quand tu leur laisses pas la place dans le bus? Ils pètent les plombs, ils sont là. Bon, regardons un peu la carte, qu'est-ce que j'ai foutu? J'étais par là quand je suis mort, j'étais là, ouais, je pense qu'il faut retourner dans la maison. Le mec aussi il me voit direct, genre je. Non. Non. Attends, ne me voit pas. Ta gueule! Un spray, voilà! C'est ça qu'on veut. Et une herbe jaune, je crois. C'est ça qu'on veut pas. Deux. Mais mon ref, tire! Oh. Non, putain. Laisse-moi tranquille. Ah, tu sais quoi, vas-y, viens, viens, qu'est-ce qu'il y a? La dynamite? Non, on ne touche pas. On a pas qui est vous. Oh super, les dynamitas. Non mais ils savent pas viser. Il a mis la chasse à son pote. Attendez. La chasse en moi. Ça c'est la retraite. En fait j'ai un pote au-dessus qui est en train de les exploser. Ils se rendent pas compte, c'est mon meilleur ami. Non. Non. Ah, je m'a dit ma grenade? Non, 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 merci. C'est lui mon ami. J'ai signé. Oh le bâtard! J'ai lancé une grenade dans le vide ou quoi?
Ça va. C'est un peu calmé. Ok. La strap dit ok. Cogno. Dynamite Boy, il m'a tellement sauvé la vie. Dynamite Boy, je vous jure, il m'a mis bien. La ferraille pour les carreaux, ça, ouais. Il est là. Allez, Dynamite Boy, tu mérites. Oh non, t'étais trop loin. Forge Boy, tais-toi. Non, non, pardon monsieur, non, 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 je vais être en retard, oh non! Il m'a planté avec le vieux m'a planté! Et le consentement dans tout ça. C'est bon, j'ai compris. Ouf. Putain, tu m'auras coûté cher, enfoiré. Ah, là, il n'y a plus d'ennemis, je crois. Maman, j'ai lancé une grenade. Oh non, la vieille. Non, elle veut la place dans le bus. Attends, j'ai pas tué tout le monde encore. Il y a un mec là. Dynamite Boy, t'es encore là, mon ref. On va reprendre la même strat. Hein. Non. Vous imaginez le mec, il est allé en Espagne, il a tué genre peut-être 70 personnes déjà. Excusez-moi. Voilà. Il se tire bien le bas. Là. Non, je vais mourir. À toi la vieille. Non le monstre, mon vieux. Carrément, il y a des bouts qui flottent. Non, pas assez rapide. Merde. Mais... Non! Dites-vous, j'aurais gagné. Je vois une vieille qui arrive au loin là. Elle hésite sur la route à suivre. C'est toi qui me mets dans la merde! Oh merde, oh la vieille. Double vieille. Non. On est où là? Saute pas dans le vide, saute pas dans le vide, voilà. Non, les vieilles, non, c'est trop. Les vieilles, quand elles veulent la place dans le bus, elles sont déterres. Je crois qu'il y en a une qui est tombée dans le vide. Non, 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 je lasse. C'est bon, non, j'avais assez perdu d'œil aujourd'hui. Attends, ça se trouve, ça vient illimité. Moi, je suis en train de faire comme un con.
Oui. Cours. Ah, j'ai perdu beaucoup de balles. Pourquoi t'es à terre, toi? Ah merde, je suis allé droit dans le truc. Aïe. Danny Boone, tu me feras pas. Une balle de pompe. C'est pour se parer. Ça tient, ça tient. Le magasin, je sais qu'il y a des trucs. Putain, je... Je vais aller fouiller la maison. Dans la maison, il y a au minimum un mec. Est-ce que vous aussi dans votre cerveau, vous entendez Arriba eso? C'est pas possible. Faut pas mourir contre le dernier mec qui vit. Les coups de mêlée, c'est pour les autres. Putain, j'aurais claqué tous mes flasques. La musique continue. Et quelque chose encore. T'as tout à l'heure, c'était trop drôle ici. L'emblème dont j'ai besoin. Oui, madame. Non, c'est pas toi qui as parlé. Ça arrive pas parce que j'ai l'emblème. Mais je suis pas tout fouillé, moi. Meurs pas bêtement, meurs pas bêtement, meurs pas bêtement. Sois pas trop gourmand. Putain, mais j'ai vu qu'il y a un autre mec encore. Oh le bâtard! Il y en a deux. Minimum. Trois. Parce que le projectile. Oh l'herbe. Quelqu'un qui me balance des haches. Bon, moi je pourrais acheter le lance-carreau. J'entends, mais je ne vois pas. À hauteur. Oh. Là. Il faut que je bouge parce que sinon je vais me prendre un projectile. Ouais, toi t'es tombé. Ah, d'accord. Un truc à loot sur l'autre toit et je me casse, les amis. Une femme qui me balance un truc. Mais j'ai du mal à déterminer sa position. J'ai trouvé une petite clé. Ça doit être pour les hôtels ou des choses comme ça, je pense. Les souvenirs sont complètement rincés. Et une meuf, elle a fait une dynamique là. Ok. Il y a quelqu'un là. Tombe pas dans le vide. Tombe pas dans le vide.
Ok, Makus. Au revoir, Makus. Non, c'est quoi, par principe, je vais te tuer. Voilà. Arriba eso, hein. Je vais jeter un coup d'œil. Est-ce que c'est elle? Non, impossible. Quelqu'un me balançait des trucs, mais vraiment au loin. C'était mort de rire. Quand j'étais genre là, quelqu'un me balançait des chlasses, mais elle peut pas avoir un lancer pareil. Oh fuck. Putain, l'Espagne, ça vous gagne. Miri, j'espère que ça se passe pas comme ça pour toi, hein, parce que punaise. 40 personnes juste pour aller au lac. J'ai plein de vie, plein de trucs, j'ai plus de munitions. Ah là, championne olympique minimum. Ah, la pause est finie, je suppose. Bienvenue. Ouais. En quoi puis-je t'être utile? Carreaux sont réutilisables. La marchandise est en parfait état. Je te le pourrai acheter cette arme. Il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du cran. Attends, si c'est réutilisable, c'est super comme truc. Le rubis je garde pour un... ça je sais pas. Ça, je vais améliorer des armes. J'ai amélioré le pompe je pense, il fait sniper. Lance carreau je sais pas, faut que je vois. Reviens quand tu veux surtout. Bien ton explication elle me fracasse quand même. Tu m'as lâché normal, ouais j'étais... Oh. Quoi, elle peut pas être championne? Alors on va juste vérifier, j'ai sauvegardé, voilà. Ouais. Donc, Rari, ça se réutilise. Ok. T'es championne, hein? Vas-y, utilise la clé mort. Enfin, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vais demander avant qu'elle... Bah... Je pouvais pas lui demander après, Miri. Sauf si on était sur Baldur's Gate 3 où j'ai un sort de nécromancien. Putain, c'est pas fini. Alors je viens de me battre contre tout mon fer, là. Plus de heal et tout. Oh, bah tiens. Oh, mais attends, je vise mal. On va essayer de le tuer discrètement, même si le bruit de la porte ne... Rien, le bruit de la porte, là, qui grince, il a pas entendu. Elle est vraiment dans ses pensées. Non, attends, attends, ne pas Rodrigo. Il va trop vite pour moi. Rodrigo va... Oh le bâtard! Oh Rodrigo, Ima Rodriguez. Oh le bâtard! Le genre, je te vois pas, mais je te fais avancer vers un vieux chnoc. Putain, il est dangereux cet EHPAD. Non! Oups. Oups. Non, c'est pas le moment de recharger, sale schlag. Ah non, il m'a bien eu. Tu sais, je me suis dépêché pour faire un kill furtif. Non, ça me réveille l'autre quartier. Non, excusez-moi, pardon. Mais c'est pas possible. La tireuse olympique, c'est elle qui devrait m'aider. Oh, enfin, putain. Pardon, monsieur. Non. Je suis mort, j'ai pas de soin, je m'en suis... J'ai sauvegardé. Suivant. Alors fais pas genre suivant mort, hein. Non, vite avant qu'il se transforme en kiwi.
Aïe. Merci pour votre gentillesse. Ah, je suis grave à moucher. J'aime pas du tout le bruit que j'entends. Enfin, en général, dans le genre de jeu, t'aimes pas. Mais là, ça pue. Ça, je peux me crafter carreaux, mais comment? De mitraillette, intéressant. Fusil, intéressant. Ah, mais j'ai plus qu'un schlatz, je peux pas me le permettre. C'est dommage, j'aurais bien fait d'autres carreaux sur le long terme. Et le problème, c'est que je suis pas dans une position intéressante pour jouer au sniper vu que je suis en contrebas. Du rubis, non, d'accord. Parfait, il y a un combo changement de couleur. C'est-à-dire j'aurai qu'une seule poudre. C'est pas vraiment le must quoi. Au moins c'est une super poudre, mais faut vraiment que je l'utilise à la dernière seconde. Ah, je l'ai eu, d'accord. Non, t'as un corbeau. Chut, ton pote il est mort, tranquille. On me demandait pas pourquoi dans le jeu les poules, les corbeaux ils ont de l'argent. Alors il y a une histoire comme quoi les pies des fois elles peuvent voler de l'oseille, ça serait plus logique, mais genre pourquoi un corbeau a de l'oseille? En plus pas genre une pièce, hein, 100 pesetas, des trucs comme ça. Le problème c'est que plus j'ai d'argent mieux je me porterai. Je l'ai raté ou je l'ai touché? Ah si, il y a le truc doré. Oh, je n'aime pas ce bruit. Oh, je n'aime pas ce... Il y a quelque chose. D'où ça sort? Oh putain! Ils sont sortis mais nulle part. L'influence n'est plus ce qu'elle était, détruisez les poupées mécaniques, ne partenez pas à ces aristocrates. Ok mon ref. Rentre s'il te plaît. Rentre, je te mets une tête. Putain, elle avait sa place. Alors je devrais pas utiliser le pompe sur eux. J'aime pas du tout ce bruit. Je vais avoir une mort dégueulasse, hein, je vous préviens. Eh merde, c'est Transonos Boys. Merde. Je sais pas si je peux encore le tuer. Bon. Et oh putain, mais je me suis accroupi. Oh, finito pipo. Et pourtant, je me suis accroupi. Ma mort, elle va être dégueulasse. Ouais, non, je prends pas la bonne route, je sais pas, il y a un piège. Il y a un autre piège. C'est plus où je suis, on dirait. Ça, je sais pas si.
Genre dans la réalité, pour moi, ça me fait cramer. Putain, Sora, elle aurait pu me dire. Oh non, il y avait un mec aux chiottes. Je peux plus chier tranquille. Il arrive. Merde. Oh merde, il fait plus le truc. Hey, il était vraiment en train de chier en plus. Bon. Comment je vais gérer l'autre mec? Je peux pas sauter par la fenêtre. Pas mal comme baraque. Les voisins doivent être jaloux. Des vieilles photos. Enfin, chair de notre chair, sang de notre sang, remercions le Seigneur. Ok, ça me donne un peu plus d'espoir. Mais l'autre, il peut tellement mourir. Boum, il y a un zombie. Vas-y, je vais faire un truc au pif. Coupe. Bébé. Laurier. Objectif intermédiaire. Alors je sais pas quand ils disent trésor, j'en ai trouvé un ou... Vous savez quoi? Est-ce qu'on tente de sortir et de se faire le mec comme ça, je suis tranquille. Non, te retourne pas. Oh fils de pute. Pardon pour les gros mots. Et je suis mort. La durabilité du couteau, elle est malade. Ah bah elle n'existe plus. Ouais, je suis mort. J'ai plus de classe. 2, 3, 4, 5. Je crois que je peux pas le tuer encore à ce stade, je sais plus. Recharge pendant qu'il est de dos. Si je veux utiliser les carreaux contre lui. Bouya. Ça va être la merde. Non, je pense que je peux pas le tuer par le moment. Pourquoi? Ok.
choqué. Ça me dit trésor, mais je les ai pas trouvés. Genre, il y en a un à droite là. Puis, ouais, Sora, elle m'avait parlé de ça. Ah ouais, putain. C'est-à-dire, mon perso, il voit des choses que je vois pas. Vous voyez un trésor hein? Genre un truc que je devrais tirer dessus, récolter. Ça a l'air d'être là. Moi je vois pas. Ah, peut-être là sur la corde. Non, c'est un os, c'est pas un parchemin. Léon, non. Ah bah ouais, là, tu vois. Donc là, je suis censé être en face du trésor. Alors là, franchement, oh, peut-être ça. Non, je donne ma langue au chat là. Use trésor. Non, il est plus là. Et un peu plus là. Oh waouh, c'est ça que j'entends grincer, d'accord. Putain de merde. Eh, je vais repartir voir le vendeur et sauvegarder. J'ai pris tellement tarif. T'es pas là? Non. Mais chez où? Non, je suis parti trop loin, c'est ça? Oui. Non, même pas, il est là, pardon. Salut, Morales. En quoi puis-je t'être utile? On va te vendre ça. Une affaire bien conclue. Alors, un spray à 10 000 balles, franchement, c'est un spray illimité. On va modifier une arme. On va modifier le peupon, même parce que le snipe, je l'ai pas fait. Donc, le carté, la portée de l'explosion. Il a pas explosé mon truc. Augmente la capacité, de toute façon, on n'en est pas. Charger deux cartouches à la fois, c'est vrai que ça rendrait l'arme beaucoup plus intéressante. On va rester sur le pompe. Si tu veux, j'ai pas tant de balles que ça. Le canon se tire peut-être. Fais ça au pire, c'est le plus cher. Et voilà, comme tu l'as demandé. Est-ce que ce sera tout? Ouais, ça sera tout, mon ref. Ça, je le garderai pour des billes, pour le sertir. Et on save. Alors, j'ai vu que j'avais deux clés. Ah ouais! Tiroir verrouillé et trésor. Bah, vas-y. J'ai déconné de sauvegarde. Ouais, tiens, bah, tiens. Bah, décidément. Je comprends pas parce qu'en fait je sais pas si est-ce que c'est moi qui vois le truc. Tiroir verrouillé, ouais, je l'ai vu, pas de soucis. Mais genre le trésor, c'est je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe. Wesh, c'est quoi ça? Un beau masque comme ça. On peut lui sortir trois trucs. Ah ouais, attends. Hop. Ah bah non, ça rentre pas, bah non. Dans ce cas-là, retirer des pierres, ouais. Je sais pas ce quoi qui vaut le plus cher. Il va me rapporter une oseille, lui.
Le trésor de Kellogg's. D'accord, donc de temps en temps, faut que je regarde ma map parce que Léon voit des choses que je ne vois pas. Il y a un trésor ici. Ok, je sais que je dois chercher une petite lanterne de merde. Ah, de là. Ah ouais, mais là, bah oui, non. 3 saphirs. Bah attends, ça coûte pas plus cher si je fais une triplette avec le même truc. Bonus trio 1x4, d'accord. Retirer. Et sortir. 1x2, d'accord. Au moins j'apprends. Alors je vais me faire des kiwis en or, les amis. D'accord, donc je vais faire super attention maintenant à la carte. Plus j'ai de trésors, plus j'aurai de munitions, une nouvelle arme et tout, plus je peux m'en tirer, je pense. Donc on va resave. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire? Waouh, 23 000 pesetas. Merci. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est dingue. Je pourrais même réparer le chasse de combat, mais je sais pas si ça vaut le coup en fait. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Pas meilleur le peupon. Les armes sont entre deux. Et c'est ça pour voir. Tiens, vois ce que ça donne. Ouais, non, bah merci. Quelqu'un comme toi fait bonne route. C'est meilleur le peupon. Après, ça se trouve, je sais pas, peut-être faut que j'améliore le fusil sniper. Peut-être le peupon, on s'en branle. Peut-être le gun de base en vrai. Peut-être le gun de base. Parce que j'utilise que le gun de base pour le moment. Peut-être j'aurais dû l'améliorer. Non, c'est vrai, peut-être moi qui suis bête sur ce coup-là. C'est l'arme avec laquelle j'ai le plus de munitions. C'est l'arme que j'utilise le plus. Faire qu'elle ait plus de puissance. Donc qu'elle dépense moins de balles. Qu'elle se recharge plus vite. Merde. Oh, c'est pas trop tard, tu me diras, mais... Surtout si j'arrive à dégoter des trésors, là, 23 000 pesetas, on peut... Ouais. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Evil Within, j'avais pas amélioré l'arme de base. Resident Evil 4, j'ai aucune... Je l'ai fait, mais ça date maintenant. Bon, ça, il faudra que je trouve les trucs pour l'armoire. Je suis en train de voir s'il n'y a pas un indice que j'ai raté. Oh, c'est pas une herbe jaune ? Oh, c'est une plante. Roue. Non. Là, j'ai vu que je pouvais encore interagir. Non. Si on veut se rappeler, un oiseau, un bébé et un taureau, des lauriers, une tortue. Un verre, un oiseau, ok. Non, t'es sérieux? Alors bon, on doit y avoir sûrement des succès ou des trucs par rapport au nombre de saves, mais fuck off. C'est quoi ça? Signe de vénération pour leur maître. Les habitants offrirent leurs biens les plus précieux. Ah! C'est le code. Le vieux fermier offrit sa meilleure récolte. Le porcher fluet son plus gros cochon. Donc c'est cochon bébé, mais le premier récolte c'est quoi? Laurier? Fermier ferme, ça peut être les animaux, les plantes, on va voir. En tout cas, ça sera pas l'eau. Ok, donc enfant en 3. Cochon, alors, c'est pas une tortue. Sa mère récolte, c'est pas une vache? Non, c'est un laurier, d'accord.
C'est un trésor? Ouais. Tenter de faire demi-tour et d'aller lui vendre, mais tant pis, ça attendra le prochain. Bâtard, bâtard. Plus de balles. Moi, j'ai récupéré les balles que j'ai tirées sur lui. Est-ce que ça vaut le coup de save? Je pense que non, mais on le loot. Parce que si je meurs, je vais oublier le truc. Ok. Ah, oh, la boule de cristal, pardon. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je dois faire la même forme. Octobre. Le ciel est étrange des derniers temps, le blé se dessèche et les vaches maigrissent. 8 décembre. Il y a des signes de famine. Il est vrai que nous manquons de main-d'œuvre pour les travaux des champs, mais les ordres de Lord Salazar Sattler ne seraient trop mis en cause. 30 personnes sont mortes de faim ce 30 janvier. 5 vaches vont être abattues. Les patriarches se rassemblent pour tirer au sort si de plus ont été choisis pour Lord Sattler. Date avril 8 de plus aujourd'hui. Date 4 de plus aujourd'hui. 11 de plus aujourd'hui. Deux randonneuses égarées se sont aventurées dans le village. Putain, Myrélis, fais gaffe. Nous les avons amenées à l'hôtel pour le rituel. Pas besoin d'effectuer un tirage au sort aujourd'hui. C'est Myrélis qui va se faire myriler, ça. Ça, c'est le mec. Cette tête me dit quelque chose, non? Attends, pourquoi ça m'a mis trésor? Arrêtez de me faire ça, putain. Ah ouais, franchement, le jeu, c'est bien et pas bien. C'est bien, mais c'est pas bien. Ah, c'est genre ça? Ouais. Ah, d'accord, donc un trésor n'est pas forcément... Non, même pas, il y a quand même un truc là. Mais c'est ici ou l'étage là-dessus? Ok, n'actionne pas le truc, s'il te plaît. Ok, je pourrais accéder à l'église. Non, non, fallait actionner le truc. Non, stop. Oh, oh. Enfin, je reprends ma save pour actionner le truc. Oh, la défenestration. Son petit chapeau. T'as ramassé ton arme. Voilà. Un don dans mon sang. Merde, c'est la fin du chapitre. Putain. On va le refaire, si je peux. Résultat du chapitre, un don pour se attirer des ennuis, finir le chapitre. Par un ennemi à gâteau, insérer une pierre précieuse, acheter quelque chose, marcher, améliorer une arme, compléter une requête, ok, oh, pas tant que ça. Ouais, ouais. 70% de précision. Non, menu pause, je refais une partie.
Je triche. Ah, je suis pas allé chercher le truc, non. Ouais. C'est ça le trésor que je voyais pas. Ok. Oh non. Cette connasse d'Ashley. Putain Ashley, qu'est-ce que je te fais? Bah je pense que j'ai tout. Ouais. Et ouais. Hop. 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 On peut pas sauter une cinématique, oui voilà. Bah, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous dis à demain soir 21h00 pour la suite de Resident Evil 4. Et à dimanche aussi. Lundi, mardi, ça sera du Tales of Arise. Mercredi, on regardera l'émission avec David. Ça va se savoir. Jeudi, Tales of Arise, et je pense qu'on se garde un vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine aussi pour Resident Evil. Je sais pas en vrai, je pense pas, ça dépendra si je termine ou non, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Passez une bonne nuit et une bonne soirée. Ciao, ciao.